Depuis quand n'a-t-on plus entendu Al Bowie? J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'il serait temps de le réécouter. C'est quelqu'un de tout à fait étonnant qui nous venait du Mozambique, mais qui a fait toute sa carrière à Londres, au Royaume-Uni en général. Au fil du temps, c'est devenu pour les Anglais, et c'est toujours le cas aujourd'hui, une véritable légende. Il s'est produit avec des orchestres excellents, Fred Ellisalde, Roy Fox ou Newstone, et son succès était tel que les Américains l'ont engagé en 1934 dans l'orchestre de Ray Nord, mais il a également chanté dans l'orchestre de Glenn Miller, a participé là-bas à des shows radiophoniques importants, notamment. Made us a promise, evil